Dans cette vidéo, nous allons réaliser un dip avocat spirine. Alors un dip est une sauce qu'on peut utiliser pour tremper les légumes, mais également utiliser pour les condiments. Donc pour cela, nous allons prendre un avocat bien mûr. Vous le coupez en deux. Voilà. Merveilleux avocat. On retire le noyau. Et pour vous faciliter la tâche par la suite, puisque on va l'écraser à la fourchette, avec un couteau, on va le quadriller. Faites pareil de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Après, vous prenez une cuillère. Et vous retirez toute la chair. Et on a déjà notre prédécoupage qui est fait. Alors l'avocat, la saison de l'avocat, c'est de l'automne jusqu'au printemps où les avocats sont vraiment les meilleurs. C'est une bonne source de gras l'hiver. Voilà. Là, on va pouvoir commencer à l'écraser à la fourchette. Donc le fait que l'avocat soit bien mou, bien évidemment, facilite l'écrasement. Vous pouvez très bien également le faire dans un petit mixeur. Là, pour notre texture, je vais rajouter de l'eau. Alors là, je vais rajouter l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'eau. Pour que cela soit plus agréable... une fois qu'on trempe nos légumes. Voilà. Ensuite, pour le salé, je vais ajouter du plasma de Quinton. Le plasma de Quinton est de l'eau de mer qui est filtrée. Donc là, on va mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe. Donc ça va vraiment servir pour saler notre dip. Alors si vous n'avez pas de plasma de Quinton, vous utilisez du sel non raffiné, ça va très bien également. On va mettre une pointe de piment d'Espelette pour relever. Le piment d'Espelette est un piment qui est doux, il est piquant mais pas très, très fort. On va mettre pour l'acidité du jus de citron. Voilà, l'équivalent d'une cuillère à soupe de jus de citron. Et là, une fois que j'ai tous mes ingrédients liquides à l'intérieur, j'écrase et je mélange en même temps. Je vais rajouter pour apporter du goût de l'oignon rouge. Alors je vais ciseler l'oignon rouge. Pour cela, je l'émince mais sans aller jusqu'au bout. Vous voyez ? Voilà, de fines tranches, mais en laissant le bout attaché. Et après, je coupe dans l'autre sens, en tenant bien ma main de ce sens-là, pour éviter de me couper. Et là, je fais les oignons ciselés. Là, on a des oignons ciselés, donc c'est des oignons qui sont coupés en petits cubes. Donc là, je vais ajouter... mon avocat déjà écrasé, donc vous pouvez prendre l'équivalent d'un oignon, d'un demi-oignon rouge, selon si vous aimez relever ou non. On va rajouter du persil frais pour apporter également du goût, qu'on va finement hacher. La poudre magique. Donc là on a la poudre de spiruline. Spiruline qui est une algue d'eau douce qui contient à hauteur de 70-70% de protéines végétales. Donc là je rajoute l'équivalent d'une demi-cuillère à café bombée. Donc on va dire que c'est une cuillère à café rase.
donc c'est une algue d'eau douce qui contient toutes les vitamines, hormis la vitamine C. Alors selon si vous avez l'habitude de l'aspirine ou si vous aimez la spiruline, eh ben, vous en rajoutez plus ou moins. Si vous dégoûtez, bien sûr, commencez petit à petit. Donc là, ça nous donne une belle couleur verte à notre mélange. Donc vous pouvez également surprendre vos invités avec cette couleur qui est étonnante. Le fait de faire à la main permet de garder un peu de morceaux et de garder bien sûr nos oignons entiers. Persil intéressant parce qu'il est riche également en vitamine C. Donc là, notre dip est prêt. Je vais goûter. Je vais rajouter un peu de piment. Il ne faut pas oublier que le piment est séché et qui va se réhydrater, donc il sera plus piquant par la suite. Prendre une coupelle. Où je vais mettre le dip. Et pour cela, pour le déguster, donc vous pouvez prendre des carottes ou d'autres légumes que vous aimez bien. Donc là, j'ai choisi d'y planter des carottes pour déguster. Également des choux de Bruxelles. Donc là, j'ai pris des feuilles de choux de Bruxelles. C'est un côté original également. Donc la spiruline est également considérée comme un super aliment. C'est vraiment pour ça qu'il est intéressant de le manger au quotidien. Voilà, on trempe les petites feuilles. À l'intérieur. Voilà, notre dip avocat spiruline est prêt à déguster. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce. Je vous mettrai également dans le descriptif de la vidéo où acheter la spiruline, également le plasma de Quinton si ça vous intéresse. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à notre chaîne YouTube. Merci à vous.